Des acteurs de la société civile, notamment les membres de la coalition Tournons la page Sénégal, ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations et leur indignation face à la disparition inquiétante de leurs confrères guinéens, Foninke Menge et Biloba, tous deux membres du FNDC, Front national pour la défense de la Constitution en Guinée. Depuis le 9 juillet dernier, soit un mois déjà, ces deux leaders engagés pour la démocratie et les droits humains ont disparu sans laisser de traces. Face à la presse vendredi 9 août à Dakar, la coalition Tournons la page Sénégal parle d'actes de kidnapping. Cette situation est alarmante et inadmissible. La disparition de Foninke Menge et de Biloba représente une menace directe contre les voies libres et courageuses qui, au péril de leur vie, défendent la liberté et la justice en Guinée. C'est pourquoi, en tant que membres de la société civile sénégalaise, nous tenons à exprimer notre entière solidarité avec les familles de Foninke Menge et de Biloba. Selon Alpha Bayo, activiste de la société civile guinéenne, tout est parti d'une campagne sur les réseaux sociaux dénonçant la fermeture de quelques médias dans son pays. Il alerte l'opinion internationale et invite ses camarades activistes à accentuer plus de pression sur le gouvernement. Aujourd'hui, franchement, il y a des rumeurs sur la mort de nos camarades. Donc nous, aujourd'hui, on a peur. On a peur. Donc il faut que la société civile sénégalaise, la société civile africaine et même internationale se mobilise pour mettre de la pression sur des gens-là. La coalition Tournons la page Sénégal se mobilise pour une preuve de vie de leurs camarades Biloba et Foninke Menge. Tout ce qu'elle souhaite, c'est de les retrouver sains et saufs.